Bonjour et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à bord. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le sixième jour de mon voyage. Je suis désolée si je tremble un peu, mais vous êtes posé sur une rambarde. Voilà. Voilà, c'est déjà mieux. Donc aujourd'hui, je suis au parc 7, donc Édouard 7, pardon. Et juste après, je vais au City Pequeño, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le nom de toute façon en barre d'infos. Pour l'architecture, c'est un peu une architecture russe, un peu comme Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Donc voilà, c'est mon programme de ce matin. Et cet après-midi, je vais au Village Underground. C'est là où il y a plein de street art. Donc voilà. Coucou, ici la Voif. Du coup, petite précision, je n'ai pas eu le temps de faire le City Campo Pequeño, parce que j'avais pas eu le temps en fait, mais je vais vous montrer quelques photos quand même. Et j'ai fait aussi le Helix Factory, que vous allez découvrir en fin de vidéo, donc voilà, ça sera expliqué ce que c'est exactement. Je vous laisse avec la suite. Show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real. J'attends la voiture qui passe. Salut tout le monde. Alors, je suis arrivée à LX Factory. Donc, c'est une sorte de village avec du street art, café, restaurant, boutique. Donc, c'est super sympa. Il y a beaucoup de choses à voir et à faire. Si vous voulez vous poser et vraiment faire un petit tour de shopping, c'est vraiment pas mal. Je vous le conseille. Et voilà, vous aurez quelques petites vidéos, petites photos, notamment sur Instagram. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Ciao! Comme promis, je vous parle du City Campo Pequeño. Vous pouvez le voir sur les images à quoi cela ressemble. Ce site en question date du 19e siècle et c'était tout simplement une ancienne arène pour les courses de taureaux appelée Tourada en portugais. En 2006, il y a eu une rénovation et elle se présente sous un style oriental et espagnol. Je n'ai pas le nom exact de ce style, mais voilà, vous pouvez faire vos propres recherches et en apprendre un peu plus. Je vous laisse avec le site officiel pour plus d'informations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air et à partager la vidéo. Sur ce, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !